La Manufacture nationale des Sèvres m'a invité pour faire une proposition de travail sur les vases de Pierre Charpin, un designer français. Et très vite, j'ai imaginé un projet de réaliser directement sur ces vases une série des mains qui devaient bouger et porter le vase de gauche vers la droite ou vers le dessus, ainsi de suite. Bref, des mains qui devaient bouger au fur et à mesure que je devais dessiner. Il y a eu un deuxième projet sur des plaques. Et là, j'ai imaginé aussi, à partir d'un sujet que j'ai titré « Judith tranchant la tête d'Holoferne ». C'est une série d'aquarelles réalisées sur du papier. Et c'est à chaque fois, c'est la tête d'Holoferne et qui est torturée et qui seront reproduites, cette tête-là, sur des plaques. J'aimerais avoir cette couleur marron qui rentre dans ce rouge. Le côté liquide de la couleur, c'est ça? Voilà.